ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله. Nous continuons avec une leçon. La première leçon, c'est dispute en péché avec madame. Comment prévenir ça? Et comment pour gagner une solution à ce problème-là? Comment on empêche, empire, une dispute qui parfois arrive en péché et madame? Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, vous avez cette explication-là. La dernière partie, c'était des impôts qui. Surtout elle, madame Bizinfer. Surtout elle, madame Bizinfer. Dernier point qu'il nous dit, c'est pour des pas, elle, madame, elle, maman, les soutiens aux enfants. Pour des pas, elle, maman, les soutiens aux enfants, les présents, papa, comme un quelqu'un qui sévère et qui soit disant, il y en a beaucoup, pitié, nous, souvent, les enfants. Alors, ça, il gâte pas les enfants, et en même temps, quand papa là, quand Michel là, il trouve sa comportement là, de la part de ce madame, ça peut venir en colère. Et alors, au lieu de gagner tranquillité dans la case, pour rester là, discussion dans la case. Alors, il y en a deux points encore pour terminer. Numéro un, c'est parmi les efforts qu'elle madame vous a fait pour qu'il, dans la case, ait la tranquillité. Et ne vit dispute dans la case, c'est jamais mort. Elle ne faudrait pas, elle madame, les morts sous monsieur respect. Jamais, elle madame, les morts sous monsieur respect. Alors, comment on connaît monsieur madame, c'est des gens qui vivent ensemble, grand ma tête, tantôt, chacun, comme son camarade, son bon, son mauvais, et un gens qui. Une fois par mois où je lis, ou bien une fois par semaine où je lis. Et le respect en toi, mais ça dit mon amour, mais en Michel et madame, souvent, respect est enlevé. Respect est enlevé. Comment? Et il y a une parole qui Michel a dit à son madame. Et il y a une action qui Michel a fait envers son madame. Même ça fait. Et il y a une parole qui va. Qui est madame, les petits gars sont méchés, et la bonne action qui les perd. Quand respect enlevé, ça, lit pour faire chacun mal agir. Et au lieu, quand pour une tranquillité dans la case, pour un respect dans la case, pour une plutôt, on va dire, une réaction, pour une rébelle, ça n'a envers le plat envers ça n'a. Alors, maintenant qu'un monsieur aussi bien respecter son madame, un monsieur bien respecter son madame, il n'est pas qu'un droit de dire madame, il n'est pas quoi, il n'est pas qu'un droit de faire n'importe quoi envers son madame. Mais le fait que l'islam, un monsieur, c'est lui qui est le chef de la case, un madame, il est plus bien respect son monsieur qui. Respect qui se Michel bien en fait. Chacun a respect envers son camarade. Elle Michel bien respecté son madame, elle madame bien respecté son Michel. Et là, ça peut être pour qui tous les deux vivent bien. Alors, si chacun peut mort, respect, ça peut amener la vie pas pour une vie sérieuse, pour une assise badinase, et pour une discussion, pour une, quoi dire, parfois, sourire, une amitié sourire sur madame. La madame Zou, son monsieur, c'est quand on a respect. C'est quand on a respect. Et quoi, nous dire en vérité? Nous avons quelque chose qui appelle badinage en monsieur madame. Est-ce qu'il est bon? Oui, il est bon. Le prophète lui-même dit je vais causer, je vais rire, je badine avec ce bon madame. Badinage en monsieur madame, il est important, il est bon. Mais badinage dans lui-même, il y a une limite. Badinage dans lui-même, il y a une limite. Quand un démon n'est pas respecté sa limite-là, respect enlevé. Respect enlevé. Alors c'est ça, erreur, qui, certaines filles, quand il fait que moi, avec son madame,
Les permis montés sur madame qui l'extra correctement, l'extra comptant, les badges, tout qui a été imaginé, tout qui a été dialogue, qui finalement, quand madame l'a bien dit, bien respect. Même affaire, madame là aussi, les bureaux de montrer ce budget qui est extra content, toi, moi, extra habitué avec toi, les causes, tout ce qu'il a gagné, les fidèles, tout ce qu'il a eu. Finalement, respect enlevé. Finalement, respect enlevé. Alors, ça, lit quelque chose qui n'est pas bon. Parce qu'il y a un moment, elle est chienne qui apparaît tranquille. Il n'est pas déjà arrivé. Dans un autre moment, quand une madame est morte, il respecte, il n'a pas attisé à sa petite chose là. Il n'a pas accepté sa petite chose là. Et alors, ça peut pousser pour faire coller. Et pour dire, une relation pour garder. Relation pour garder. Alors, ça, c'est un premier conseil pour aujourd'hui. Pour avancer, c'est pour qu'une madame bizarre. Afin qu'il préserve la tranquillité dans la case, il évite dispute dans la case, c'est jamais mort ou monsieur respect, jamais mort ou respect, jamais lève la voix avec lui, jamais cause lui m'a fait maltraiter, jamais cause lui va nous causer, comme je dis, bien respect là dans ma cause, qui n'est pas besoin, ma cause qui n'a pas besoin. Tout ça là, quand respect est enlevé, pas pour une limite dans un dialogue, dans une action. Et quand pas pour une limite, là même qui peut transgresser ma limite, il n'y a plus de limite, il peut causer qui gagne, il peut faire ce qui gagne, il est là, et pas pour une discipline dans la case. C'est pas pour un respect dans la case, quand on a respect, quand on a discipline, c'est ouais, la case des autres qui vous invitent là-dedans, et la case des autres, c'est pas la case que vous avez, comme je disais, c'est pas la case que pour loin des disputes, mais la case des autres, c'est pas la case qui rentre avec disputes. Alors ça, c'est un premier conseil. Et madame, n'importe qui n'arrivait, qui pas n'arrivé, même quand j'étais au Miché, bon, même quand j'étais au content au Miché, respect au Miché. Respect au Miché, connais qui vous pouvez dire, connais comment vous appelez lui, connais qui vous pouvez faire, afin qu'il toujours montrer respect envers lui, on n'a pas compris respect. Un point dernier, pour que madame, c'est pour qu'il y ait madame, vous avez fait, afin qu'il ça aide lui pour. Et le problème dans la case, c'est jamais montrer, faire ressentir qui la travaille ou l'ouvrage la case et n'a plus l'importance qu'il y. Jamais faire un métier ressenti qui l'ouvrage la case et n'a plus l'importance qu'il y. Peut-être qu'il y a un bon métier, il n'est pas pour faire dominer le son madame. Il n'est pas pour qu'on dise abuse, bondir le son madame. Mais parfois, il est capable de faire une petite chose qui pas si ce moment pour dire ça. Madame là, elle est occupée d'une autre petite chose. Comment dire, elle n'a pas envie de dire, disais à soi. Alors, et qui madame là, par exemple, elle a dormi. Faites une petite pour moi. Si Michel a dit, madame là, il peut faire dire la permis, par exemple, les finettes obéissant envers ce Michel, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de là, il n'y a pas de là, et Chetan va pour rendre en Dieu, comme on va dire, Chetan va dire que Dieu fait dire, il n'y a pas de fait dire. Malgré que si vous avez le temps, bien lire, vous avez fait dire ça, et bien bien le monde, il y a un homme assis à fait dire. Il n'est pas joli. Mais, pas tous les jours qui arrivent ça. Elle écoute comme ça, elle me cherche quelque chose qui n'est pas joli. Ou bien, madame là, elle est fatiguée, vraiment elle est fatiguée. Et, quoi dire, elle est lourde pour lui, pour elle faire ça, quelque chose là. Alors, dans une situation pareille, parfois la madame, quoi, je te sape local, je te calme une cause, comment dire. Qui n'est pas correct, j'ai poussé, tu ne vas pas trouver mon fatigué, ou bien tu ne vas pas trouver mon occupé, ou bien tu ne vas pas trouver mon avec des enfants là, tu ne vas pas trouver mon lave-linge là, mon repasse-linge là, mon balayer là. Alors,
Même que nous disions, Michel a peut-être dans sa mémoire-là, les partis bisins font ça du monde-là, mais il reste qui, Michel. Quand il dit, ou bébé, ou pas bébé, dit non. Et de l'autre côté, même qui sont sur bébé à l'autre côté, où je vais laver la toilette, où je vais dresser les lits, où je vais plus manger, où je vais pas se parler, ou bien n'importe qui dit, ça va nous rendre, ça pas capable, puis il y a un content qui rythme de chien. Impossible. Impossible. Elle me dit, elle m'a fait quoi, Michel, il doit être à la carte, et il dit à son madame, faites la paix, madame la paix. Et pas se balader. Et là, beaucoup, madame, je dis, tu vas me trouver pas se balader là. Tu vas trouver, oui, pas se balader là. Si tu demandes, madame, là, tu es en place. Elle qui prie un content. Pas se balader, ou bien obéir à Michel, c'est qui Michel a dit. Lui-même, il dit, non, obéir à Michel, ça prie un content. Mais pourtant, combien de madame fait sa manière là? Et nous verrons dire, et là, Michel est mauvais, et là, Michel est dominé, et là, comment ça va, Michel, là, je vous pose là. Ça va, Michel, là, vous êtes mauvais. Vous êtes ministre, vous êtes bien dominé. Je ne fais pas de mort, qui vous dire, puis faire une méchanceté, mon bien madame. Alors, ça, c'est un autre cas. Madame, il nous a guetté. Si pas les bouquons, j'ai vivre avec ça, Michel, là, ou bien non. Mais le gros, dans le cas général, quand Michel, là, il n'est pas ça, il n'est pas mauvais. Il n'est pas fait une méchanceté dans lui. Il n'est pas un esprit fait dominer, ou madame. Alors, quand il met quelque chose, ou faire lui, les meilleurs pour. Parce que n'importe quelle chose que vous pouvez dire, faire, n'importe quelle chose que vous pouvez faire dans ce moment-là, et nettoyer la case, ou bien occuper les enfants, ou bien dresser les lits, ou bien la toilette, n'importe quelle idée, mais qu'à qui tu as faire. Mais pas pour que vous ne pouvez pas se balayer, et pas pour arrêter, pas pour arrêter. Disons qu'il n'y a rien, tu veux la prochaine. Une réparpillée, tu veux bien, remanier, tu veux plus bien, ça aime tout, pas plus que ça. C'est pas comme un jeune homme, elle, madame, fait quoi, la toilette, son Michel, tu as dit, fait quelque chose, Sylvie Ferry, quoi, la toilette, t'as une vie sale, c'est pas comme ça, t'as rien, t'as pas continué. Donc, ça c'est, comment dire, parfois, elle, Michel, l'indienne quelque chose, ouais, chère, toi, dis, là, l'indienne quelque chose, et madame, là, dit, l'indienne, dit, t'as rien, on fait, ou bien tu vas me trouver pour occuper là. C'est pas le contraire. J'ai dit, dès que tu vas dans pour moi, les pannes de toi valent, les pannes de l'eau valent, toi, elle est déjà une importance que toi. Répasse-les, ça arrive à rien que toi. Alors, dans cette façon-là, c'est pas pour rentrer. C'est pas pour rentrer. Alors, elle, madame, elle nous a connu qui l'obéissance à ce Michel, c'est un ibadet. Un ibadet. N'importe comment il peut obéir à ce Michel. Donc, faire une petite chose. Ah, les Natawa va gagner quand il peut faire ça. Parce qu'il peut connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous ça. Alors, Rabbul Alamin il enseigne une petite chose pareille. Elle, madame, les vivre dans l'obéissance sur Michel. Elle, madame, tant qu'à voir, faire khidmat sur Michel. C'est pas ça, c'est quoi dire? Quelque chose qui est plus important dans la carte. Repasse-mer, lui adresse les livres, quelque chose, pas les autres choses. Capable de faire après aussi, ça n'a pas nécessaire de faire à ce qu'il y a même. Bien capable, arrête de faire pour obéir à Michel, après continuer à faire vos affaires. Après continuer à faire vos affaires. Pourquoi? Et la madame, il n'est pas réalisé. Pourquoi, chéton, c'est ça? Pourquoi, la madame, vous êtes un esprit. Quand il peut trouver la astérie même, il a envie de trouver, fais-moi faire, il va me trouver, il passe l'aise. Il va mettre l'eau pour nettoyer. C'est pas tes affaires, pour mettre le lit. À ce terrain, il peut y avoir fait ça. Chétan, il est rentré. Vous pouvez pas voir, petit bal madame, je agis, on va dire, avec pas de. Je passe avec toute l'intelligence, on va tirer l'esprit. À ce terrain, il est trop bon pour dire moi faire ça. Donc, elle, madame, il ne faudrait pas qu'il tombe dans sa piège. À ce terrain, même il est trop bon pour dire moi faire ça. Mais Dieu, on va faire tranquille, fini. Pas pour un problème dans la case. Ou continuer à vivre dans la case, tranquille, pas garder l'atmosphère dans la case. C'est ça qui est important. Les points là, les bétons ont tout ça, pas garder l'atmosphère dans la case. Ou je peux causer, je peux rire, je peux imaginer, ou je peux causer, ou je peux rire, ou je peux imaginer. Préserve ça dans la case. N'importe quelle chose qui pouvait garder cette chose là, il ne faudrait pas. Il y a une chose qui a garder ça, c'est ça même. Un chien qui a une chose, ou un petit qui. Ou occupé là,
ou occupé qui était, ou occupé quelque chose qui prient autant qui l'obéissance, qui prend tout Michel, devient si malheur. Ou bien plus, plus pire, c'est qu'on m'a dit les locaux d'âme. Et les Michelin rentrés, bon dité, bon de toi là, madame la locaux d'âme, les restes locaux d'âme même. Michelin attend, c'est pas 10 minutes, c'est pas une sortie qui a une basse d'une finie minute. Après soir là, une minute, on donne une sortie. Et quand après, rien, bon, je dirais tranquille, mais il y a quelque chose qui peut-être pire à ta soeur qui n'est pas content. Et il a tout raison, pas content. Il a tout raison, pas content. Parce que quand Michelin est rentré, par exemple, il demande son dité, et qu'on m'adresse sur la petite salle, ou de l'idité, ça vient là, on reste le comptable, on donne l'importance pour autant plus qu'il y. On donne l'importance pour autant plus qu'il y. Alors, si on rase la case qui est importante, c'est pas même occupe les enfants, il est important. Mais on peut faire aux enfants, on peut faire aux enfants lire, on peut faire aux enfants réviser, il est important. Mais faire comment on peut faire aux enfants réviser dans ce moment-là, mais je vais faire des affaires. Allez, faites tranquille. Aux enfants, pas pour c'est pas les faire, si ça cause 10 minutes, ou pas, faire les réviser, ou capable de rattraper. Tout qui sort pour le gars-là, qui est dans le temps, bien capable de rattraper, pas dire, mais tu vas pas trouver où mes enfants là prendre là. Ça, c'est vrai. Hein. Tu vas pas trouver où mes enfants là. Tu vas pas trouver où mes enfants là. Tranquille, Alphie et Mimini, continuez, vivre, causer, rire, bâtir dans la case. Ça qui est important. C'est une madame qui tient esprit. Une madame qui tombe dans les chétons, lui dit quelque chose, lui fait quelque chose, l'atmosphère dans la carrière est gâtée. Mais il y a un petit affaire, depuis 4 ans, quand on sait, ni Michelin ne cause madame, ni madame ne cause Michel, ça l'a tout sur le billet, tout sur le billet, ça l'a tout sur le billet, il a dormi. Qui fait un petit affaire, madame Michelin dit, madame elle se répond, tu ne peux pas me trouver pour venir là. Tu ne peux pas trouver qui m'a fait faire. Alors, ça fait, tu ne peux pas trouver qui m'a fait faire là, rien n'est rien. Faire, on va dire vraiment, madame là, l'identification que tu n'es pas plus capable, lui dire, ok, moi je peux faire une pour toi, mais c'est mon pouvoir, mais capable, il est bon, tu es pour la côté. Ou bien, quelque chose qui vient. Faire, on va dire à toi, par exemple, vous avez un bel lien, vous avez une fille à ça. Mais une situation que madame là, lui montre Michel là, mais non, pas plus capable à faire, parce que c'est un pas. Ou de nouvelles personnes qui ont une capacité. Aïe, qui ont une capacité de pénal dans l'islam. C'est un dépôt pour faire cela. Il y a une chose qui est en dehors de sa capacité. Malgré que ça ait un pilier dans son salat, ça est tombé. On va regarder, on va se dire. Ça, c'est aïe, pour Allah. Quelque chose qui est en dehors de sa capacité est tombé. Alors, elle, madame, par cause de madame, tu sais que ce métier dit, elle est bien fait, même si quelque chose est en dehors de sa capacité. Non. Si quelque chose en lui a son capacité, il n'est pas pour être attrapé auprès d'Allah, il n'est pas pour en tout, mais c'est mal, il vient qu'on cause, il vient qu'on présente quelque chose à la minorité. C'est qu'il peut dire, voilà, moi tu peux faire, moi tu peux content faire, mais c'est mal, pourquoi ne pas faire? Moi, je ne peux pas faire. Alors, quand il présente l'esquisse pour lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quelque chose là, il n'est pas pour, quoi dire, dis-moi, ce métier, pourquoi pas? Et, s'il est bon, Michel, et ça peut pas de problème. Donc, ça, c'est un déjà point. Une madame qui est intelligente, une madame qui a envie de vivre bien sur la case, une madame qui a envie de causer, rire, matiner avec son Michel, connaît qui, une simple causer capable de gâter tout. Une simple réaction de support capable de gâter un âge. Parmi ces idées, tu ne vas pas trouver qui peut faire. Tu ne vas pas trouver qui peut faire. Qui te peut faire? Tu peux la faire. Tu peux repasser l'aise, tu peux faire, tu peux pas se balayer, tu peux n'importe comment, il n'est pas plus important, qui c'est qu'on dit à toi faire? Il n'est pas plus important, qui c'est qui a le chef indien? Indien fait. Alors, c'est ça, alhamdulillah, nous terminons avec sa explication-là. Nous avons un des jeunes, c'est l'infidélité qui vous suivit. Inch'Allah, nous allons guider ça. Ensuite, nous avons des choses concernant. La santé, comment préserve-nous de la santé? Dernier point qui ne tue pas, c'était. Vraiment, c'est pour qu'il y ait du monde faire. Pour préserver sur la santé, c'est la dormir-bonheur. La dormir-bonheur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
Diz que a dor me bonia. Lhe não pês a dor me dor. Après ça, tout de suite, je suis enceinte, elle dormit. Et quoi nous dire? Si nous sommes capables, mettez en pratique les meilleurs, même en ces concernant causeries. Même en ces concernant causeries, si nous sommes capables de faire nos causeries en passant avec ma vie, en parlant avec les chats, pour qu'ils ne puissent pas faire causeries après les chats, il y a encore meilleur, les plus proches avec ceux-là. Mais parfois, le contexte pays est différent. Le contexte pays est différent. C'est mon là, les bloquer, c'est ça que chaque nous capable de guérir. Alors, dans ce contexte-là, on va dire, parfois, dans le Maurice, nous faisons une leçon, une cause après chaque. Sinon, malheureusement, ça ne va pas. Ensuite, voyez un conseil au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est capable d'aider nous pour préserver nous la santé, c'est les revenir et commence à faire un travail. Faire ce qu'il a pour faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne que quand il dit qu'il est bonheur, quand il est bonheur, il commence au travail bonheur, il n'a plus barakat là-dedans. Et ça, tout le monde qui essaye de faire ça, il peut trouver la différence. Faire connaître madame de Bélévé, on disait, l'immense du père, l'immense du dé, assez bien mettre sur ma scène, quoi dire, bien sûr, ma scène pour moi dire, pour mettre en marche, on sait, à stérile, il commence à travailler, à stérile, il commence à faire son ouvrage, il arrive, désir, il y a encore, il fait l'ouvrage, mais il dit, tout le monde sur la vie, il prend retard. Ni de vous gagner, par exemple, pas sur la leçon, ni de vous gagner, par exemple, pour se faire lire le Coran, réviser le Coran, et ni les plus libres tantôt par la leçon. Combien madame, combien la case, et madame parmi les sons tantôt, monsieur parmi les sons, enfants parmi les sons, qui fait hein? Parmi ces madame là, lui-même, il n'est pas libre. Et qui fait, il n'est pas libre parce qu'il y a mis en cours. Les commencer même tout seul au bas, 10h, 11h, les pas encore fini, jusqu'à 4h, et 14h, il y a encore une action pour faire, seul au bas, ça m'est fini. Sur le roi, jamais fini, et alors jamais il y a des enfants de basse pour prendre les soins. Et ça, c'est un plus grand erreur qu'une madame, une maman capable de faire. En vérité, les soins dits de basse, il y a un grand effet sur les enfants. Et chaque parent, les bisins considèrent ça comme une obligation. Au moins une fois par semaine, maman, papa, les enfants, je tout vite de basse, tu vas les soins. Donc, vous voyez des leçons de Mazid ici, il y en a trois leçons par semaine. Ok, nous ne pouvons pas suivre tous les trois, nous ne pouvons pas suivre tous les deux, mais au moins une leçon bizarre capable de suivre. Alors, maman bizarre, les enfants bizarre, papa bizarre. Mais comment vous voyez ça? Il faudrait qu'on m'a dit, maman là, bonheur, elle finit faire sur le bras, bonheur, elle finit faire ce qui. Au contraire, si elle fait déjà même, elle finit commencer. Pour arriver à un moment, on éveille les bureaux qui ont à faire. Une fille fait tout. Une fille fait l'avance. Tantôt, une fille reposée, une fille fait l'ouvrage, une fille fait l'ouvrage, et je pouvais devoir. Mais après, il échappe, bien capable d'annuler son 40 minutes, 50 minutes, retourner. Parce que, madame là, les filles, lui-même, il est libre. Alors, il ne peut pas nous saisir à cette heure-là. Comment ça peut être pour God préserver pour la santé. Mais les bonheurs dans lui-même commencent pour la journée. On va dire bonheur, nous avons un travail bonheur et n'a beaucoup bien fait là-dedans. Et n'a beaucoup bien fait là-dedans. Parmi quoi, il y a barakat dans les temps, il y a barakat dans ce qu'il nous veut faire, façon qu'il nous veut faire, ouais, rendement qu'il peut y avoir là-dedans. Par exemple, Hibs même, comme une maman. Il n'y a pas envie de ses enfants faire rêve. Il n'y a pas envie de même lui, il n'y a pas envie de le Coran. Mais c'est d'apprendre après Fajr. Et d'apprendre après, ce n'est pas mon zé, il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Quand il dit qu'il n'y a pas de bonheur, ça n'a plus l'effet de l'eau. Alors, il y a beaucoup bien fait dans les bonheurs. Comment on se trouve à l'activité bonheur? Parmi, c'est les protège-nous pour dormir plus qu'il disait.
quand nous dormons, Christ qui disait, ça n'est pas bon pour la santé. Et dire, un dimanche, nous disons, ce n'est pas bon, mais nous disons, 6h temps. L'endormi, à soir, nous disons, 4h temps. Après Fajar, il y a endormi, c'est le diable, il fait Fajar, il va dormir, c'est pas bon, c'est un enfant, il va bien dans un enfant, il va bien dans un enfant, c'est derrière, il y a endormi. Mais vous levez, disons, nous disons 11h. Nous disons 11h. Fais-moi une fille dormir 4h temps. Pendant la nuit, après Fajar, il dormit 3h temps. Il dormit 7h temps. Et qui sont les groupes, il demande 6h temps sommeil. Sur les groupes, il demande 6h temps sommeil. Qui est arrivé là? L'endormi et un temps en plus. L'endormi et un temps en plus. Puis un jour, un sommeil et un temps en plus. Deux jours, trois jours, un mois, une bonne année. Combien de temps en plus il est dormi? Alors, quand on est dormi en plus, un écho, on l'apprend, un écho qui a un mouvement, un écho qui peut apparaître là-dedans, pour l'autre, Allah, ça il aide nous pour qu'il nous, l'écho, il s'en va de santé. Mais si tous les jours nous sommes dormi, nous sommes levés, ou à dire tard, quand on dormi après le Fajr, beaucoup, quand il est comme ça, mais souvent il est comme ça, quand on dormi après le Fajr, levé là pour l'éviter, ça. Levé là pour l'éviter, ça. Alors, dans sa façon-là, carré, un démon il me garde sur la santé. Un démon il me garde sur la santé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne-nous celui qui levait pour Fajr. Ça, il levait l'osso mood et l'osso, on va dire, l'activité qu'il est capable de faire. Le bon démon qui. Les bonnes nashab dans lui, les bonnes lèvres dans lui. Les papas du monde paris, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya'aqibu shaytan, ala qafiyati ra'si ahadikum, idha huwa nam, fala ta'uqad. Quand du monde est dormi, shaytan il attache trois années pour aller sur la tête. Et il dit Yadribu kulla uqadatin alayka laylun tawilun farqud. Le chaque nez, on va aller souffler, il dit à sa djimunna, elle est longue la nuit de la dormi. Et non la nuit là, dormi. Il est tombé dormi. Shaitan, Bidjani, dormi toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Fa'in istayl qadr, fa'takar Allah, in halat uqada. Si, quand ce sommeil cassé, il pense à Allah, il y a ce doua, par exemple, il pense à Allah, elle est là, il est cassé, il est largué automatiquement. Fa'in tawadda'a, in halat uqada. Et si tous les suites à faire ce oiseau, il est béni, un déjeuner est béni. Fait une salat, une halat uqada. Et s'il fait un salat, trois jeûnes est béni. Il est libéré depuis Shaitan. Il est libéré depuis Shaitan. Vous voyez, hein? Fait asbah nashitan, tayyiban nafsi. Et alors, les jeûnes le matin, nashitan, en tant qu'une personne qui remplit avec l'énergie, il y a des gens qui vont dire. Il n'a pas fait quelque chose, ou à tout le nafsi d'un bon mood, d'une bonne humeur, mais il y a pour le sourire, le soupir, pas pour la fatigue, le soleil, pas pour la, comment dire, pas envie de poser, pas envie, non, il n'y a pas de monde, il est dans une bonne humeur, il vous fait dire. Ou à illa asbaha khabita nafsi kaslan, si il n'est pas levé dans sa façon là, et il y a, il ne reste dormi, quand il est levé, il est levé. Il n'y a pas de il n'y a c'est pas cette idée où il est élevé. Le prophète dit, si je n'ai pas de récit l'homme, ça va n'est qu'il n'y a pas de tasse pour lui là. Il n'y a pas de récit sorti pour la prière chez toi là. Quand il y a besoin du matin, les jeunes du matin, khabitha nafsi veut dire, de mauvaise humeur, kaslan avec paresse. Avec paresse. Et nous l'apprenons, il dit qu'il veut dire des gens qui, sur la zone, il y a même peut commencer paresse. Paresse et que mauvais vieillesse li relié avec le. Il y a des gens qui paresse sur les corps pour facilement toucher pour une maladie. Donc, ça, c'est un hadith qui veut montrer nous. Les bonheurs ou les verroufajables. Après Fajab, commence mon activité, commence mon travail, commence mon ouvrage. Ou bien mon sommeil, comme on sait, mon frère, soeur, surtout dans la Madone,
nous faisons ça et là. Nous avons fait un rallye, nous avons bien fait tort. Nous l'avons fait un syndic, nous l'avons fait bonne et une amitié. Mais si, dans nous la tête là, les coups, ça nous manque souvent, et vraiment nous manque souvent. Nous avons dit ce qui ça. Nous avons fait un rallye, nous avons fait tort. Papa pas nécessaire, papa sans tarawih aussi, nous l'avons fait bien. Disons nous, nous l'avons fait tort. Nous l'avons fait syndic, nous l'avons fait bonne et nous manque souvent. Mais ce qui nous a fait, nous calculons combien nous manquons. Si nous manquons un temps, nous manquons un temps sommeil, ok, de l'absence, remplaçons un temps. Pas remplacé par des temps. C'est ce qui est rien, qui est beaucoup du monde de Ramadan. Nous autres Ramadan traversent des dômes qui virent, nous faisons la rawi, nous les lèvons. Et oui, quand on fait la rawi, on les lèvons vers cette vie, on manque un temps sommeil, c'est pour habiter dormir. Remplacé un temps. Au contraire, c'était la besoin de nous remplacer pour 45 minutes en complet meilleur. Ok, nous pas au lieu, disons, qu'on garde le sommeil. Dormir où il y a temps. Ou pas qu'un sommeil. Et d'être en sommeil, dormir où il y a temps. Mais pas des y a temps. Il y a beaucoup de monde de Ramadan, beaucoup de madame de Ramadan. Les finis fait servir. Les finis pour qu'ils nous envoient par l'école. Il y a l'air dormi. Et là, c'est rare qu'il voulait rester. Combien de dormi? Les chimons, il y a temps de sommeil. Les dormi, des y a temps, trois y a temps. Et par contre, surtout dans le Ramadan, le bébé est dans le Ramadan, le bébé dormi, mais sa maladie n'est pas dans le Ramadan, toute l'année, et la madame fait ça et réel, et la madame fait ça et réel, elle a dormi. Quand il est levé, il y a un retard. Astier, il a fait ça, Astier, il a fait ça, tout le temps, il y a un retard de son affaire. Et parfois, monsieur me retourne au travail, mais il y a encore une maîtresse ici, il y a encore une maîtresse là-bas. Les enfants retournent à l'école, il y a encore, il n'est pas encore libre pour occuper les enfants là pour ma vie. Il est plein de temps pour tirer pour suivre les enfants dans une étude, pour suivre les autres dans une madrasa. Et tout est fait l'eau, sa madame là. Il y a une madame qui paresse, il y a une madame qui dort plus qu'il y a, il y a une madame qui lève et dort. Il y a beaucoup de choses qui sont payées dans la vie. Parmi les payées à une bonne santé. Vous avez la madame, vous croyez qu'elle est en place, dormi, dormi, bébé, dormi, dormi. Il y a un grand grossier. Il y a un grand grossier et on peut trouver les petites choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Ouais, et nous, on aime bien. Elle va être seule à plaisir. L'exemple de Bani Adam, Ahadun, Ahabba, il est chez Dali, Menenna, Oumil, Akoul. Ouais, et nous voulons bien le dire. Mais la personne parmi les enfants d'Adam qui est plus aimé par ce shaitan, qui est celui qui domine et qui mange en quantité. C'est ça que dit un shaitan avec lui. Ça que dit mon, nous tous nous un shaitan avec lui. Est-ce que le shaitan compte en nous bien non? Il dépend. Quantité qui nous fait obéir à lui, quantité qui nous fait obéir à Allah. Quand nous fait obéir à Allah, shaitan, le shaitan qui est avec nous là, il n'est pas beaucoup content en nous. Quand nous pouvons obéir à lui, nous chétons qu'avec nous, nous pouvons entendre. Alors, il nous a dit, il nous a dit, il nous a dit, ce chétan est extra content lui-même. Ce chétan est extrêmement content. Lui, ça dit, il ça. Celui qui mange beaucoup, celui qui dormit beaucoup. Celui qui mange beaucoup, celui qui dormit beaucoup. Et celui qui, vous voyez, il fait tous les lits, définitivement, quoi dire, malheur ou malheur, lui mange beaucoup. Plus il dormit beaucoup, mais c'est le père qui met les maladies dans son corps. Le père qui est nourri, maladie dans son corps. Alors, par sa parole-là, nous comprenons qu'il dit il ne faudrait pas dormir beaucoup. Oui, il ne faudrait pas dormir moins. Malgré qu'il y a une salle de dialogue-là, mais vous savez que côté médical aussi, de combien, à quel point il y a une vérité là-dedans. Ou l'écho, quand j'étais pour l'amitié, il finit l'amitié avec le sommeil qui ou l'amitié. Quand j'étais sommeil qui ou l'amitié, il finit l'amitié en ça. Et là, on n'est pas de salaf pour là. Mais dire, si on l'amitié ou l'écho, sommeil 5 heures par 6 heures par jour, il vous satisfait. Si on l'amitié 7 heures par jour, il vous satisfait. Mais dire, ou l'écho, c'est ou qui ou capable d'amitié. En quantité, avec quantité de sommeil qui n'est pour vous, ça vous suffit pour vous, ça vous suffit pour vous, pour vous. Mais ne dire, ne pas dire, dormir moins, mais pas dormir plus qu'il disait.
pas dormi, plus qui, bizet, et ça va faire à dormi bonheur, lève bonheur, puis contrôle le sommeil. Quand on a dormi tard, quand on arrive grand matin là, dans son esprit, il va au sommeil. Dans son esprit, il va au sommeil, vrai, il va au sommeil. Alors, quel est ouvert à lui, il va dormir là. Quand il a dormi, il va dormir plus qu'il bizet. Il va dormir plus qu'il bizet. Alors, ça gâte la santé. Ça gâte la santé. Après qu'il dit, il fait du monde. PRG, beaucoup de choses, parce qu'il par la carte, il trouve dans quelque chose qui fait bonheur, il trouve dans quelque chose qui fait bonheur, pas dans quelque chose qui nous donne des bouts, nous donne des bouts. Ça, c'est une première explication pour aujourd'hui. Une deuxième explication, ça a un aspect long, mais on va essayer de se trouver là-dedans, parce qu'il dit, il peut concerner un seul point, mais il y a différentes parties. Pour une petite chose qui peut aider nous, pour préserver la santé, c'est nous observer la propreté. Et la propreté, l'islam peut mettre beaucoup, beaucoup l'emphase dans la. Nous avons un chapitre dans le fait, qu'on appelle le Sunan al-Fitra, qui nous concerne la propreté de nous les corps. Avec le hadith, même avec le Coran, il y a des tafsirs, avec le Coran, qui peut faire. Qui peut faire la relation, il peut concerner la propreté. Il peut concerner la propreté. Alors, un démon qui reste propre, ça aide pour préserver sur la santé. Un démon qui reste malade, alors ça peut être sur la santé. Alors, garde sur l'ego propre, garde sur l'aise propre, garde les enfants propres, garde la case propre, garde la toilette propre. God, la cour propre, tout ça là, l'islam il enseigne. Mais là, tout le monde n'est pas God, son propre l'ego propre. Quand on se zone, long, sale, sur l'air, sur les enfants, sur la case, si on peut se voir, on n'est pas capable d'aider la cour. Puis, comme ça qu'un musulman vit. Un musulman, les bizarres, tout propre avec lui. Il veut dire, prendre depuis le commencement jusqu'à la finition, tout propre. Prends depuis sur l'ego jusqu'à sur toilette, tout mis en propre. Mais c'est tout ça là, c'est une madame, les belles madames qui paraissent. Ni pour God, ni pour content, God sur toilette propre, sur l'aise propre, l'aise sur les enfants propre. Et parfois, vous finissez qu'on est quand tu es propre, il y a une madame, quand on l'aise sur les enfants. Quand on trouve les enfants, et ressale, et par exemple, ils sont à l'école avec un linge, puis un domic, ça même linge là. Et lui montre comment dire ma là, lui les papes prend compte autant. Alors, prend compte la propreté, c'est un enseignement islamique. Oui, quelque chose qui n'est pas phalas, ou pas qu'il n'y a pas fait phalas. Par exemple, nous, là, la madame, d'ailleurs, tous les jours, on va des fois par jour. Ok, mais quand il n'est pas pharas, il n'est pas pharas. Si elle n'a pas de faire, il ne va pas faire pharas. Quelque chose qui n'est pas pharas, on va faire pharas. Mais en même temps, quelque chose que l'islam financier nous concerne la propreté, pour des panneaux, nous faire l'exigence. Alors, en vitesse, parmi ce qui concerne la propreté, c'est khatna. C'est khatna. Comme un enfant béni, si un garçon nous fait son khatna, même pour tes filles, elle a khatna. Même pour les filles, il y a un khatna qui a sa façon de faire. Mais pour les garçons, les plis importants, parce qu'il y a la divergence, est-ce qu'il est obligatoire pour les garçons, pour les filles, et ce qui paraît plus faux, c'est que le khatna est obligatoire pour les garçons, pas pour les filles. Pour les filles, il est recommandé. Pour les filles, il est recommandé. Alors, khatna pour les garçons, les papes plus qui la propreté pour ses enfants. Tout le long de la vie, les pour rester avec la propreté. Mais déjà, quand un djimon, un enfant fait khatna, pena, ce qu'il m'appelle, il accumule. Et qui s'appelle le soleil, des affaires comme ça.
les bonnes enfants, les bonnes gens qui pour rester à la côté, concernant ça, quelle chose là. Alors que l'islam, un enfant peut né et finir en sein de la côté. Pourtant, quand on réfléchit, maintenant, c'est une certaine souffrance là-dedans. Une certaine souffrance là-dedans. Mais l'islam peut enseigner et faire ça, parce qu'il veut dire, ce bénéfice, les plus que sa souffrance là. Ce bienfait, les plus que sa souffrance là. Pourquoi il n'a pas. Il n'a pas ça. Les bois bon aussi. Pitié qu'il a de sur lesquels il n'est pas capable de. Il n'est pas capable de faire khatna avec ses enfants. Il n'est pas capable de faire khatna avec ses enfants. Il n'est pas capable de faire ça. Il a bon aussi. Pitié qu'il a de sur lesquels. Mais seulement, c'est une souffrance qui, si l'islam veut dire laisse ses enfants là, passe pour sa souffrance là, c'est simplement parce qu'il bien fait qu'il a pour ses enfants là-dedans, il a plus que sa souffrance là. Donc, ça c'est elle peut être lancée dans l'islam, khatna, les concepts à propter que l'islam peut enseigner, vivre avec ça, l'aide-nous pour. Préservez-vous la santé, quand vous les respros, parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aide lui pour qu'il commence à les respirer de bonnes maladies, qui certaines maladies capables de développer même à travers la côté, à travers quelque chose qui sale. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Khamsu min al fitra. Il y a cinq choses qu'il faut partir de fitra. Fitra, c'est la propreté qui. Tout mal prophète, je viens. Observer en ce qui concerne nous autres l'écho, comment vous pouvez nous l'écho propre. Mais vous pouvez dire cinq choses qui font un projet de filtre. Nous avons un istihdad, un timon, il y a un livre, un cheveu, ce qu'on appelle pubic hair, les gardes propres, ou un khitan, deuxième, khatna, troisième, kassou shari, les tailles sur moustache, quatrième, netful, ibut, enlève ou ouais, épile un cheveu en bas des bras et cinquième taqlim ou l'adfar taïjon qui l'islam peut enseigner et qui peut kafir pour lui enseigne les contraires surtout en ce qui concerne l'onzon et à tel point un kafir je crois que je réussis là-dedans jusqu'à qui quand nous qu'il s'est passé tel que ben beaucoup de tifis dans le pays arabe jusqu'à quoi pour eux je pas pour civiliser je pas pour développer si on va dire je pas God long zone et qui en vérité les choses qui les contredisent nous dit pays mit kafir les pas joli non et malade, une chose qui est malade. Alors, les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis enseigne-nous cinq choses. Un dimon, les rases, sur le pubic hair, dans les propres, les fakhatna, les tailles moustaches. Un dimon, gros moustaches, avec les vilains, apportent qui les poires qui mille, une petite chose, comme cela, vous qui savez pas bon, et comme ça. Et puis le cheveu en bas du bras, taille. Le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit Ashur min al-fitra, il y a 10 petites choses qu'il faut partir des fitra, la propreté, qui nous faisait observer pour que l'ego propre, pas le prophète, tu l'as, ça va le principe là. Qassou shari, taille moustache, wa i'afa ou l'ihya, god ou la barbe longue, god la barbe, wa siwa, nettoie ou les dents avec siwa. Ou l'istinchar comme le mât et risque de l'eau dans comment dire, comme risque de l'eau pour mettre dans les nez, pour nettoyer ou pour nettoyer pour les nez. Et aussi, ou qassou l'adfar, taïjon, ou qassou l'barajim, c'est la bonne joie, en bas des doigts, la bonne joie, ou l'adful ibt. Et puis le cheveu en bas des bras, ou halqu al-'ana, rase pubicaire, ou intiqar sul ma, c'est quand il y a la toilette, il servit de l'eau. Il servit de l'eau, et c'est neuf, la narrative qui me rapporte à l'Ita, les médias de Jabla, les papes trop appellent, excepté qui c'est madmada, veut dire reste la mousse,
tu as fait wudu, mets de l'eau dans la bouche, reste dans la bouche. Alors, ça c'est mal l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui concerne la, la propreté et l'intervention des, comment dire, faire khatna et taïjong, rince l'aîné, rince la bouche, taille moustache, lave pas le soin, on bat les doigts, tout ça là, c'est l'émissoire, tout ça c'est la propreté, tout ça c'est la propreté que l'islam fin à enseigner un différent moyen pour qu'il nous garde les propres et qu'on nous garde les propres pour les produits. Je ne comprends pas la vie. Le contraire, il y a quand il y a Covid. Et là en face, qui fait mettre la propreté pour protéger. Je ne comprends pas la vie là parce qu'il y a l'épidémie. Celui qui les garde sur les gros sales, les papiers larves, la même quoi, mais c'est. Le plus facile pour les toucher, parce que ça va le maladie là. Contrairement à celui qui peut garder propre, celui qui peut garder propre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Anas radiallahu alayhi wa sallam, وقت لنا في قص الشعر وتقليم الأظفار وندف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. Anas radiallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met la limite des 40 jours. Faudrait pas les 40 jours dépasser. Faudrait pas les 40 jours traverser. Mais avant 40 jours, bizarre fini, fier sa maquille sur la quête. Bizarre fini taille moustache. Bizarre fini taille jaune. Bizarre fini épile en bas. Les bras. Bizarre fini rase. Côte partie privée. Et dire, faudrait pas les ça plus que ça. Faudrait pas les ça plus que ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, met la limite là-dedans. Faudrait pas être une. 40 jours, il finit gagner, il n'est pas encore taïjon, il n'est pas encore, c'est pas taïso moustache, pas qu'il soit pareil, il n'est pas encore taïban, rase les cheveux, et puis les cheveux, mais rase les cheveux en bas sur les bras, il n'est pas joli, il n'est pas joli, il n'est pas quelque chose qui prend, il n'est pas quelque chose qui prend. Pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne, c'est qu'on s'en a compté, on le dit, la compté n'a plus jamais l'enseignement islamique là-dedans, mais c'est pas envie là-dedans. C'est comment nous lever le matin, lave nous laver, lave nous nénés. Comment nous lever le matin, lave nous laver, lave nous nénés. Comment nous connaître à l'époque de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle robinet. Alors, des lots, il y a un récipient. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui enseigne, nous, quand il lève le matin, il apprend se laver, il met dans le récipient. Pas qu'on écoute la vie, j'ai dit la vie, on gratte ici, on gratte là-bas. Ah oui, pour prendre la main, on peut mettre des lignes, là, pas bon. L'islam, il enseigne la propreté. Là, vous lavez. Mais là, on est où lavez dans le récipient. Alors, vous savez, du coup, moi, il est vu le matin, il n'est pas attrapé ici, il n'est pas attrapé là-bas. Première chose, là, vous lavez. Là, vous lavez, c'est la propreté et aussi la vous n'aimez. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne, parce que le chétan, il passe la vie, il traverse la vie dans. Dans Narin, dans Trou Néné, un dimoun. Alors, comme il dit, il y a l'âme sur la vie, il y a l'âme sur Néné. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ida stayqad ahadukum min nawmi, fala yaghmis yadaw fil ina, hatta yaghsilaha thalatan. » Quand quelqu'un, comme il dit, il est venu le matin, qu'il n'a pas plongé sur la main dans le récipient de l'eau. Qu'il n'a pas plongé sur la main dans le récipient de l'eau. Tant qu'il n'est pas lave sur la main trois fois. Fini lave ou lave trois fois, il tire de l'eau avec gobelet ou avec ce paquet de tire de l'eau, les là où on peut laver dans le récipient. Les là où on peut dire. Faina ou la, il y a de l'eau, il n'y a pas la tête, il y a d'eau. Parce qu'il n'est pas connu pendant la nuit, quand sur la main fin traverse. Quand sur la main fin traverse, la nuit. Il n'est pas connu, quand sur la main fin traverse. Là, la nuit, mais j'ai pendant la nuit, quand sur la main, j'ai dit qu'il est gratté, qu'il n'est pas gratté. Alors, quand il est levé le matin, il passe, il se prend sur la main, il les met dedans, il reste dans de l'eau. Il se l'appelle, on s'est approprié, le prophète dit. « Il estaye qad ahadukum min manami, fatawadda'a, fal yastadir thalatan. » Quand quelqu'un n'a pas besoin de lever le matin, il peut faire un wudu, qu'il y met de l'eau dans son narine. « Thalatan » trois fois. Lave son nez trois fois. Qui fait? Le prophète dit, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُوبِهِ. Parce que le shaitan passe la nuit dans son narine. Le shaitan, il passe la nuit dans son narine. Alors,
ça c'est elle, l'information que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est donné, les commence à traverser, à la communauté qui concerne le monde des Ghaïb, ne pas connaître ça, mais accepter l'information de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps, nous trouvons que c'est un enseignement, le prophète qui concerne la propreté. Concernant le siwak, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit السواك مطهرة للفم مضاة للرب السواك لنتواي لابوس يعطي الساتسفاكشن لله لنتواي لابوس يعطي الساتسفاكشن لله بيجي كونو بيسي بسواك لو بنتواي لابوس لابوس بو كوب بيجي بابو ينابان لو دي دانو لابوس دانو لدان دانو لدان دانو لابوس بو كوب يمتان كونو بنتواي يسي نبابي لسفاني Un manger accumulé dans, tassé en bas des dents, c'est ça qui, comment dire, gâte les dents, fait mal les dents, pourrit tout ça là. C'est quand même une, n'est pas grosse sur les dents pour ma bizarre, n'est pas grosse sur les dents pour ma bizarre. Et un musulman, c'est pas des fois par jour qu'il s'est réveillé soir. À chaque fois, chaque soir là, chaque moudou, à chaque fois qu'il rentre dans la case, à chaque fois qu'il lit le Coran, un musulman est en soirée toute longue la journée des soirs. Toute longue la journée des soirs. Et ça aide pour observer la propreté. Il me préserve sur la bouche. Il me préserve la propreté de sur la bouche. Et en vérité, quand il dit God, il me préserve la propreté de sur la bouche. Il me préserve la propreté de sur l'ego en entier. Parce que quand la bouche est sale, vous voyez, il y a une infection, il y a un microbe, il y a un malade qui prend de l'écho. Mais pour l'autre, la bouche, quand l'écho, la bouche, ça vous protège. Ça vous protège. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Madame wa yadi ghamarun lam yaghsilhu fa asabahu shay'un fa la yalumanna illa nafsa » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui l'a dormi le soir et qui se la met en peau et un gras, la viande qui ne restait dans ce la main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et dans ce la main, en peau et un gras qui ne restait pas dans ce la main pour ma vision. Et qu'il ne touchait pas une petite chose, il arrive une petite chose, qu'il n'est pas blâme excepté lui-même. Qu'il n'est pas blâme excepté lui-même. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui enseigne dans sa hadith là? Le prophète lui enseigne, qui quand il a dormi, là, vous l'avez pro. On mange. Et on mange, par exemple, la chair. Avec vous l'avez, on attrape la viande, on mange, on attrape. Elle nous a fait, on mange. Là, vous l'avez pro, pas dormi. Pas dormi, on va dire, encore une crap. Dans la mêlée, comme on va dire, c'est pas les ramènes pour une mot ou la mêlée ou bien à la comédie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire si vous avez dormi ou pas là, vous l'avez bien, arrivez-vous quelque chose, pas blâme excepté vous-même. Mais il y a sa possibilité qui a dit mon adorbi, les pannes là, sur la mêlée bien, il est capable de toucher pas une petite chose, il est capable de toucher pas une petite chose, donc l'islam lui enseigne. God nous les GoPro, et nous comptons bien, en vérité, un musulman nous a fait salat. Et salat, condition salat, des conditions là-bas, il concerne la propreté. Premier, c'est la propreté contre Najasa, et déjà, propreté depuis le Hadith, et déjà, du monde, pour les faire salat, les besoins là au sol. C'est un oudou. Au sol, le oudou, c'est la propreté. Salat, c'est un ibadat. Sans tahara, on ne peut pas faire. Et même si les nains au sol, les nains au oudou, là aussi, ce salat pas pour compter. Si vous pouvez dire, l'eau solaire, il n'a pas de propreté. L'eau solaire, c'est n'a pas de propreté. Ou bien le plastique que vous pouvez faire salat, il n'a pas de propreté. Pas capable. L'eau solaire, c'est n'a pas de propreté de faire salat. Avec ça, l'islam, il met la propreté comme une condition pour nous salat. Ça montre nous l'importance de la propreté et en même temps, ça montre nous que la propreté, c'est dans sa façon-là qui nous préserve, nous garde, nous préserve la santé.
Alors, de la même façon, nous préservons la santé si nous observons la propreté. Alors, c'est ça, Inch'Allah, c'est un prochain, nous allons continuer. Subhanallah, alhamdulillah, je vous remercie.